Oui, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs, merci aux intervenants. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est un sujet très capital et un sujet très sensible. Si ce sujet-là n'est pas bien traité, la Côte d'Ivoire part directement dans le mur. Et ça, personne ne peut nous dire le contraire. Le cas de Bleu-Boudé, il faut dire aux gens de regarder dans le rétroviseur. Comme son Excellence Alassane Ouattara nous l'avait demandé, et ça, le jour où il parlait, moi j'étais là-bas, c'était au stade Félix Houphouët-Boigny. Ce jour-là, j'y étais. J'étais présent quand le président Alassane Ouattara a parlé de ça. Donc, moi j'invite aussi tous les Ivoiriens, y compris son Excellence Alassane Ouattara, et ceux qui sont autour de lui, et ceux qui ont manœuvré pour que Bleu-Boudé rentre en Côte d'Ivoire, moi je leur demande de jeter un regard dans le rétroviseur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ils comprendront ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et à partir de ce moment, ils vont savoir que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays avec lequel on doit jouer. Mais s'il se trouve qu'il y a encore des personnes qui sont en train de manœuvrer pour que la Côte d'Ivoire retombe dans les mêmes travers et dans les mêmes violences en acceptant que Bleu-Boudé rentre en Côte d'Ivoire. Tenir des meetings, narguer les victimes, dire ce qu'il veut, et on est là, on assiste. Le roi du printemps. Et moi, je dis ça. Allô, oui. J'aimerais, vous allez faire votre analyse, mais j'aimerais aussi poser une question à tous les panélistes. Est-ce que les hommes politiques en Côte d'Ivoire, et je parle de tous, le pouvoir en place inclus, tout comme ceux qui étaient là avant, est-ce qu'ils n'ont pas un plus grand intérêt à ce que le peuple de la Côte d'Ivoire soit toujours menacé dans la violence? Est-ce que ça ne les arrange pas plus que la paix et la stabilité? J'aimerais que tu essaies de répondre à cette question, en plus de ton analyse. Bon, au regard de tout ce que nous voyons, quand on vient analyser, en tout cas, selon ce que nous voyons, nous, on va dire effectivement que ça les arrange. Parce que tant qu'ils peuvent faire les deals entre eux là-bas, et puis imposer ces deals-là aux populations pour permettre aux populations de souffrir avec ces deals-là, hein, mais ils seront bien dans leur position de manipulation. Et moi, je pense qu'ils tirent profit de ça, puisqu'ils sont protégés. Leur famille est en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc, eux, là, si la Côte d'Ivoire brûle avec toutes les pauvres personnes qui sont là, ce n'est pas leur problème. Et moi, je le dis. Et puis là, il ne faut même pas chercher à poser la question. Et c'est ça exactement ce que tu es en train de dire. Et bien, imaginez-vous un instant. S'il y a un enfant du président Alassane Ouattara qui a été tué dans sa ville, qui a été blessé, vous pensez que la situation allait être comme ça? S'il y a le fils de Touré Mondou qui a été blessé dans ça, le fils de Gilbert Kouré Kapara qui est venu voler l'argent de l'ONU, là, s'il avait été blessé dans ça, Kandja Kamara, ses enfants qui sont aux États-Unis, s'ils étaient tués dans ça ou bien blessés dans ça, ou encore tous les ministres qui sont autour du président Alassane Ouattara, y compris les Fidel Sarasoro, moi je leur dis, s'ils avaient, leurs enfants avaient été touchés, ou encore les membres de leur famille avaient été tués, éclairés, on n'allait même pas être là dans ce, sur cette plateforme-là pour réclamer la justice. Il y a longtemps, ils ont pris les Bleu-Boudé et tous les enfermés-les. Mais comme vous êtes des pauvres personnes, le roi du PC est une pauvre personne. Toutes ces personnes-là qui sont là sans défense, là, vous êtes des pauvres personnes. Et le pouvoir s'en fout de vous. S'ouvrez, allez-y, vous plaît. Vous êtes qui? Après, vous avez dit que c'est vous qui avez mis le président Alassane Ouattara au pouvoir. Oui, vous avez mis le pouvoir. Mais si vous avez mis le pouvoir là, le pouvoir que vous lui avez donné là, de protéger les victimes là et de rendre justice là, il n'a pas fait la justice. Donc, éclairé pour dire la question que tu as posée là. Il ne faut plus poser la question éclairé. Parce que ça, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour savoir que le pouvoir se plaît dans ça, nos dirigeants se plaisent dans cette situation. Parce que leurs enfants, leurs familles sont garanties. Leurs familles, les enfants fréquentent dans les plus hautes universités. Malgré tant que nous avons nargué sa fille, pendant qu'il était en train d'employer le CNT là, sa fille est en train d'étudier et quand sa fille a eu son diplôme là, malgré tant qu'il s'est venu sur les réseaux sociaux pour fêter ça. Donc ça là, il y a des images qui parlent et il y a des situations qui parlent.
Dieu nous parle à travers certaines actions, mais c'est nous on fait semblant, c'est nous on fait la sourde oreille, c'est nous on ne veut pas voir et comprendre les choses. Donc voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que en nous montrant que Dieu voudrait, sa vie est supérieure que la nôtre, mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire, et moi j'insiste là-dessus. Yann a posé la question de savoir est-ce qu'on ne peut pas faire une justice populaire. Cher frère Yann, Sundiata en a répondu un peu à cette question. Mais moi, je l'ai toujours dit. Lorsque Pleboudé est arrivé et qu'il y a eu des communications pour empêcher l'arrivée de Pleboudé, pour empêcher qu'il tienne son meeting, moi, j'étais peut-être la seule personne sur la plateforme ici qui s'était opposée. Et moi, je le faisais en connaissance de cause. Et j'ai dit que moi, je n'accepterais plus qu'un de nos militants, de quelques raisons que ce soit, puisse sortir pour aller se faire tuer. Parce que nous avons des antécédents ici, nous avons encore des faits qui sont là, les victimes vivent avec les séquelles de Bleu Boudé de Laurent Gbagbo. Mais au nom de quoi l'État de Côte d'Ivoire qui a accepté et qui a envoyé des émissaires pour aller remettre le passeport à Bleu Boudé, payer sur l'argent du contribuable, aller remettre un passeport à un criminel de guerre non repenti pour rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, à partir de ce moment, ceux qui savent analyser les choses devraient comprendre que Bleu Boudé rentre en Côte d'Ivoire, mais pas n'importe qui. Et il ne rentre pas n'importe comment en Côte d'Ivoire. Après avoir fini de tuer les gens avec l'article 125, et la cerise sur le gâteau, c'était la crise post-électorale de 2010. Donc ça, il faut rappeler les faits aux gens. Donc, quand on voit ce phénomène, Bleu Boudé qui rentre en Côte d'Ivoire, un accueil très chaleureux, comme on le dit, et on vient, on sécurise le lieu de son meeting. Et les corps habillés étaient là-bas à la veille. Moi, j'ai eu les infos. Voilà pourquoi je m'étais opposé ici. Et ce jour-là, les gens ont dit que ma communication a changé. Moi, je vis en Côte d'Ivoire. Celui qui vit en Côte d'Ivoire, là, qui a vu toutes les choses, ne peut pas dire que la communication du roi du printemps a changé. Quand on vit là, c'est pour payer un mouton. On ne vit pas pour un mouton. Mais nous, on a eu trop de paix. Les gens, les jeunes ont donné de leur temps. Après l'enseignement, aujourd'hui, les jeunes là sont laissés pour compte et c'est que des jeunes sacrifiés pour la cause. Mais ils ne peuvent plus jamais rattraper le retard qu'ils ont accumulé. Mais pourquoi on va perdurer dans cette situation? Mais quand tu perdures toujours dans la même situation, mais tu deviens un clown. Et j'ai dit, il ne faut pas qu'un jeune va sortir là-bas. Et les informations qui sortaient, celui qu'ils allaient attraper dans ça, ils allaient l'envoyer en prison. Et personne n'allait aller plaider son cas. Parce que le pouvoir a voulu que ça soit ainsi. Donc nous, on est là, on les regarde. Mais je ne vais plus jamais lancer un appel. Et moi, je dis à l'éclaireur, si quelqu'un vient sur la plateforme, qui va lancer un appel pour dire d'aller empêcher un meeting de Bleu Boudé, éclaireur, je ne vais plus intervenir sur la plateforme. Parce qu'on va envoyer les gens à l'abattoir. On va les envoyer, ils vont les prendre, ils vont les mettre en prison. Et après, ils vont dire que c'est l'éclaireur qui a lancé l'appel pour dire que de venir, comment on appelle, empêcher le meeting. Ou encore, des gens sont venus ici. Si la tête quelqu'un vient ici et qui commence là, moi je vais dire éclairer d'arrêter la personne. Ici, on ne va pas faire la promotion, on ne va pas faire le travail du gouvernement, on ne va pas faire le travail de la justice. Ça, il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Sundiata a dit, les réunions qui se tiennent dans les cités universitaires, Dieu seul sait le contenu de ces réunions. Nous, on n'est pas prophète pour savoir ce qui s'est passé. Mais quand on voit déjà le passé de l'homme, le passé de la fessie. Qui dit fessie, dit violence. Parce que la fessie va de pair avec la violence. La fessie rime avec violence. Nous, on sait. Il a rencontré, comment on appelle, les anciens fessies. Le Boudé les a rencontrés dans un lieu, et c'est clair. Tu es sincère, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Mais ce n'est pas pour aller dire des choses, pour venir, comme on le dit, essayer de réconcilier la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas leur objectif. C'est de monter un plan commun. Comment faire pour entailler la population? Et ça, personne ne nous dira le contraire. On connaît cette machine à tuer. Et cette machine-là est plus mauvaise que même Wagner. Et comment on appelle? Des djihadistes. Et c'est comme ça qu'il faut le dire. La fessée, c'est l'organe djihadiste de la Côte d'Ivoire. Alain Sinclair, qui est aujourd'hui le secrétaire général de la fessée. Il est toujours en contact avec Bleu Boudé, mais la fessie là, on connaît. Si on enlève la part de la fessie dans nos crises là, mais il n'y aura plus de crise.
Et ça, il faut le dire aux gens. Mais vous permettez encore un criminel de guerre, qui est le concepteur même, et comme on l'appelle, l'instigateur de l'article 125. Mais à quoi joue-t-on? Qu'est-ce que le pouvoir fait à la paix avec les Ivoiriens? Qu'est-ce que le pouvoir pense avec les Ivoiriens? Nous, on a besoin d'explications. Mais selon moi, Gouloua du Prétat, qui a vécu beaucoup de choses dans ça, je suis plus prêt à dire à quelqu'un, allons, on va aller marcher contre l'opposition. Moi, je ne le ferai pas. Moi, je le dis, je ne le ferai pas. Si les gens le font là, moi, je les laisse regarder. Si eux aussi n'ont qu'à le faire. Nous, là, on a fini là, on n'a plus rien à démontrer. Personne ne peut me dire le contraire. On n'a plus rien à démontrer. Ceux qui ont quelque chose à démontrer là, ils n'ont qu'à sortir. Quand ils vont les prendre là, ils vont les tuer, ils vont les mettre en prison là. Nous aussi, on va aller s'asseoir pour applaudir et faire la fête. C'est comme ça que ça va se passer. Sinon, la Côte d'Ivoire revient de loin. La Côte d'Ivoire revient de loin. On aurait pu rendre la justice là pour empêcher d'éventuelles crises encore. Mais on s'assoit, on regarde, on contemple, on est en train d'observer et on dit non, laissez-les parler. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Oui, c'est une Côte d'Ivoire solidaire, mais dans le mal et dans les crimes. C'est ce qu'on voit. Est-ce qu'on peut solidaire des criminels? Le criminel là, on l'éloigne loin de la patrie. Soundiata a dit des choses. Regardez dans les autres pays. Les autres pays qui se sont développés. Prenons l'histoire de chaque pays. Mais chaque pays a son histoire propre. Mais il y a des pays aussi qui ont des histoires, comme on appelle, communes. Le développement de la Chine, là, c'est fait en tout cas dans la dictature. Quand je dis dans la dictature, on réprimait ceux qui voulaient semer la zizanie, ceux qui ne veulent pas l'avancée de la Chine. Et beaucoup de pays ont suivi ces exemples-là. Mais en Côte d'Ivoire, on dit non, il ne faut pas toucher aux criminels. Les criminels, là, ils ont le sang différent d'une personne qui vit à l'intérieur du pays, au fin fond d'un campement. Lui, c'est le pays ivoirien. Lui, il a le droit à être tué. Lui, il a le droit à être blessé. Mais Bioukouti, là, il n'a pas droit à ça. Bioukouti n'a pas droit à ça. Parce que ceux qui sont au pouvoir, Bioukouti fait leur travail aujourd'hui. Ce n'est pas leur problème, ce n'est pas leur problème. Et moi, je reviens pour dire, tous les enfants sont aujourd'hui à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Il étudie dans les grandes universités, mais toi, le pauvre qui ne t'aime même pas 10 000 francs pour s'assurer, c'est eux qui vont venir te manipuler pour mettre dans la rue. C'est eux qui vont venir te manipuler pour mettre dans la rue. C'est l'espoir d'une famille. Tu vas à la retraite sans avoir travaillé. L'espoir d'une famille. Alors que, eux là, les enfants sont nés avec des tuyaux en or dans leur bouche. Mais toi là, le mazo, celui qui dit que je suis à dos mouton. Et un mouton qui ne réfléchit pas. Moi, je suis un ado mouton, mais très réfléchi. Je suis un ado mouton très réfléchi. Et mais j'aimerais que tous les jeunes qui soutiennent le président Hassan Ouattara ne soyez pas des moutons de panuche, ne soyez pas des moutons qui ne réfléchissent pas. Le président Hassan Ouattara n'a pas besoin de moutons qui ne réfléchissent pas. Si vous ne comprenez pas ça, mais il n'y a que des cadres défaillants, des cadres manipulateurs et des cadres criminels qui sont autour de lui, qui manipulent cette jeunesse-là pour cacher la vérité. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Je crois que ce que vous avez dit, vous avez répondu à ma question et vous êtes même allé au-delà. Très belle intervention. Et je vais revenir sur le panel. Je vois qu'il y a notre mère Binette qui est revenue, ce qui nous fait plaisir. Et donc, on va lui donner la parole pour l'instant à Yann. Et si notre mère veut prendre la parole, elle pourra le faire plus tard. Donc, Yann, vous avez la parole. Oui, merci mon grand oncle de me redonner la parole. Bon, j'aimerais aussi m'inscrire aussi de la façon affirmative face à ta question. Je pense que le fait de la violence est inhérent et puis est vraiment propre un peu à la politique. Enfin, je veux dire, le fait même, la violence même aussi est un instrument utilisé par les hommes politiques dans quelques contrées qu'on soit dans le monde. Hein. En Europe, ça existe. Je veux dire, quand il y a les manifestations syndicalistes, il y a toujours des personnes, des individus cagoulés, habillés en noir, qui viennent faire s'aimer la violence, casser les magasins pour discréditer un peu la marche des syndicalistes. Bon, chez nous aussi, ça existe. Vraiment, c'est des choses qui existent effectivement et réellement, qui ont été, c'est des méthodes qui ont été utilisées par tous les partis, que ce soit
enfin, tous les partis majeurs de la Côte d'Ivoire, à un moment donné dans leur histoire, pour la conquête du parti, du pouvoir, user de cette méthode-là. Mais c'est à quelle fin? D'abord, c'est vraiment pour discréditer. Le parti au pouvoir utilise cette violence-là pour discréditer l'opposition. Et l'opposition aussi qui utilise aussi cette méthode-là aussi pour mettre l'accent sur ses revendications sociales afin de faire plier le parti au pouvoir. On l'a vu avec la dernière en date, c'est celle qui s'est passée en 2020 avec le CNT. Donc, la violence est un moyen vraiment de conquête du pouvoir ou d'expression même du pouvoir, selon moi. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il faudra que ceux qu'on utilise, ceux qui se laissent manipuler par cette violence-là, ou ceux même qui sont acteurs de cette violence, essayent à leur niveau de comprendre que les choses doivent changer et les choses sont obligées de changer et que la violence ne peut pas être aujourd'hui la méthode, une méthode vraiment de pression face au parti au pouvoir. Et ils sont, ceux qui sont utilisés pour cela, souvent ils laissent leur peau dedans. Ils laissent leur peau où ils sont de là avec des séquelles quand même à vie. Et c'est à eux maintenant de comprendre les choses. Et comme mon frère le roi vient de dire, cette méthode-là ne peut pas continuer parce que ceux qui sont convaincus de vraiment qui ont une sincérité, vraiment une loyauté vis-à-vis de leur mentor ou de leur mentor politique ou de leur parti politique, doivent comprendre que généralement c'est eux qui souffrent le plus. Hier, il y a deux jours, j'ai fait une allégorie avec le cas des équipes de football. Et donc maintenant, c'est aux militants de base de comprendre que tous les appels qu'on lance, c'est pour sauver des vies, c'est pour sauver des âmes. Revenons sur le cas de l'autre individu là, que je ne vais même pas prononcer le nom. Lorsqu'on voit aujourd'hui qu'on a une justice qui ne fait pas, qui ne joue pas son rôle, on a même nos responsables politiques, et c'est non des moindres, c'est vraiment les cadres, les grands cadres du parti même qui lui font la cour. En comprenant, moi je pense qu'aujourd'hui, pour ne pas revenir sur les propos de mon frère Leroy, c'est vraiment, c'est une réalité qu'aujourd'hui, on est en train de en tout cas, ce que nous on voit, c'est ce qu'on dit. Après, ce qui se passe dans les coulisses, on n'est pas forcément au courant. On est en train de lui donner vraiment tout le champ libre pour qu'il puisse s'exprimer. Après, comme on dit, on est en politique, hein, il y a le machiavélisme qui existe beaucoup dans la politique. Après, on verra comment ça va finir. Mais nous, on demande aux gens vraiment d'éviter d'être vraiment des proies, peut-être des proies ou des personnes qu'on va utiliser pour une quelconque violence qui on connaît tous les conséquences de tout ça, hein. C'est la destruction, c'est la mort, c'est les séquelles à vie. Il faut vraiment que cette mentalité-là change. Mais je ne pense pas que ça puisse changer parce que, comme je l'ai dit tantôt, la violence est vraiment inhérente à la politique, dans toutes les sociétés. On l'a vu ceux qu'on a attribués étaient des partisans de Trump. On l'a vu aussi avec ceux qu'on a attribués étaient des partisans de Bolsonaro. Et voilà. Ici, il y a beaucoup, comme je dis, même ici en France, dès qu'il y a une manifestation, bon, voilà, ils sont là pour... C'est, en fait, il y a ce qu'on appelle aussi la bataille de l'opinion. C'est ça aussi. Comment gagner la faveur de l'opinion face à cette situation? Ouais, on a vu l'autre, le vieux menteur, le vieux grégaire, là, le vieux gravataire qui est sorti, dit que c'est les militants du RDR qui ont tué un gendarme. On a vu après les conséquences de cela. Donc, je ne sais pas si un jour la politique pourra se détacher et la violence pourra se détacher de la politique. Pour aller même plus loin,
Aujourd'hui, on voit aussi aujourd'hui les guerres qui sont provoquées. Tout ça, c'est une violence qui la guerre, c'est, on va dire, c'est la mère de la violence. Vous voyez? Donc, malheureusement, je ne veux pas être pessimiste, mais la violence sera toujours partie, sera toujours un instrument de la politique. Voilà un peu ce que j'aimerais dire là-dessus, si tu as quelque chose à rajouter, mon grand homme. Ok. Je pense que nous parlons le même langage et nous ne faisons que expliquer et réexpliquer, ce qui fait que de facto, je suis d'accord avec tout le monde et on ne pourra donc que continuer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole. Je vois notre mère Binette. Moi, Ok, il n'y a pas de je problème. veux parler. Ok. J'aimerais poser une question. Quelles étaient les conditions de retour de blé boudé en Côte d'Ivoire? Effectivement, c'est cette question-là que je posais aussi, de savoir, quand je prends par exemple le cas de Jean-Pierre Bemba en RDC, quand je prends le cas de bien d'autres personnes, comme les Terminators et autres, qui je crois encore doivent être de l'autre côté, mais prenons le cas spécifique de Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, il ne s'attarderait même pas à parler de la. Aujourd'hui, il est reclus. Et c'est ça la marque des gouvernements responsables qui tiennent compte de la souffrance de leur peuple et qui se disent, quel que soit ce qu'on pourrait dire, à partir du moment où vous avez été un individu à problème, on doit pouvoir vous mettre en dehors de la société pour ne pas que vous puissiez reprendre les mêmes faits. Mais bizarrement, en Côte d'Ivoire, je me demande si les autorités ont été amnésiques et qu'elles ont oublié de savoir que ces personnes-là ont posé des actes assez graves, de sorte que, vous pouvez mettre sur muet, de sorte que leur présence pose véritablement problème. S'il vous plaît, mettez sur muet. Le roi, mettez sur muet. Maintenant, j'aimerais savoir, Je n'avais pas vu que fini. la... Je n'avais pas Ok, fini. Et s'il vous plaît, d'accord. dès qu'on n'intervient pas, mettez sur muet, parce que le bruit, ça gêne. Et quand on est en panel, c'est important, parce que ça aide à mieux faire la communication. Et donc, je vais terminer rapidement pour dire que Walter répondait très bien à la question. Ce que Blé Goudé est en train de faire trouve son explication dans l'incapacité de l'État à imposer une ligne claire à Laurent Gbagbo à son retour de la CPI. Si l'État avait été ferme comme il l'a été en RDC avec Jean-Pierre Bemba, pour le tenir loin de l'affaire politique, Blé Goudé et Laurent Gbagbo ne fanfaronneraient pas. Donc, je crois que l'exemple et les deux exemples sont là. Quand un gouvernement se montre responsable, comme celui de la RDC, et quand un gouvernement se montre irresponsable, comme celui du président Alassane Ouattara, voilà les deux exemples en face de vous. Donc, vous avez la parole. Allô? On constate effectivement que le gouvernement a été beaucoup laxiste sur le cas de Blé Goudé et Laurent Gbagbo, vu que la FECI a toujours été le bras armé de Laurent Gbagbo du FPI. Et Blé Goudé, il est rentré, il veut utiliser ces mêmes étudiants-là à des fins macabres. Comment est-ce qu'on pourrait dissoudre cette fessie-là? Et je constate que comment il s'éclaire ou quoi là? Est-ce qu'il ressemble vraiment à un étudiant? Avec ce tâche, avec cette corpulence, est-ce que ça, c'est vraiment un étudiant, ça? Je ne pense pas. Voilà ma question. Ok. Et donc, il me semble que le roi voudrait prendre la Allô? parole. Oui, vous avez la parole, le roi. Allô? Voilà. Moi, éclairant, vous avez souligné le cas de Jean-Pierre Bemba. Mais qui ne s'en souvient pas de la terreur que Jean-Pierre Bemba a imposée au peuple congolais avec son MLC, le mouvement de libération du Congo? On sait les crimes que Jean-Pierre Bemba a commis en République démocratique du Congo. Mais quand il a été envoyé à la CPI, et après son retour de la CPI, mais personne même ne sait que Jean-Pierre Bemba existe. Et à la limite même, si tu demandes à quelqu'un, il va te dire que Jean-Pierre Bemba est décédé. Mais alors qu'il est là-bas, son silence est dû à quoi? La fermeté, comme Walter Ruto l'a dit, la fermeté de l'État congolais. Mais Jean-Pierre Bemba n'est pas au-dessus des lois congolaises. Mais pourquoi c'est Blé Goudé, Laurent Gbagbo,
Pasteur Rafine Guessa, Mambri Toque, tous ces criminels notoires qui sont au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Mais pourquoi ça se passe comme ça en Côte d'Ivoire? Mais vous pensez que si l'État congolais n'avait pas été faible, Félix Tshisekedi ou encore, Joseph Kabila. Joseph Kabila. Oui, Kabila. Comment elle pourrait avoir la paix pour diriger le pays? Mais c'est parce qu'ils ont compris que ce monsieur-là, il faut le museler. Parce que tant qu'il aura les capacités d'agir, le Congo n'allait même pas connaître la paix. Donc il fallait le museler et c'est ce que l'État a fait. Mais en Côte d'Ivoire, on dit Blaise Boudet, lui, il n'a pas le même sang qui circule dans nos veines. Il dit que lui, son sang est différent. Et du sang du roi du printemps. Lui, son sang, il est cher. Donc, on doit protéger son sang. Donc, quand vous voyez des criminels comme ça, mais nous, on ne fait que dire ce que nous on voit. Et je dis, c'est déplorable pour la Côte d'Ivoire. Pour un pays qui est, en tout cas, quand on regarde le beau travail qui est fait, on aurait encore nos yeux pour pleurer parce que ces criminels-là, je me trouve tout caché dans ce pays-là. Et c'est ça. Mais quand on parle de ça, les gens pensent que c'est de l'amusement. Et ce n'est pas de l'amusement. Hein. Ce n'est pas de l'amusement. Ce que nous disons là, c'est des faits réels et ce sont des faits qui vont se passer en Côte d'Ivoire. La bombe à retardement, en tout cas, elle existe. Elle existe d'autant plus qu'il n'y a pas eu de justice. Cette justice-là qui aurait pu freiner ces criminels-là, on est en train de légitimer la pollution et on est en train de leur dire, vous avez eu raison de tuer 30 000 morts. Vous avez eu raison de tuer 80 personnes en 2020. Et vous avez eu les raisons de venir continuer votre combat là où vous avez laissé ce combat. Et c'est ce à quoi nous assistons en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Mais un pays qui se veut sérieux, en tout cas, met les criminels au pas. Mm-hmm. On va prendre l'exemple du Bénin. Quand Patrice Talon est arrivé au pouvoir, les gens ont critiqué Patrice Talon. Ils ont dit, tu ne connais pas de Patrice Talon. Mais regardez le Bénin. Regardez le Bénin. On ne dirait même pas qu'il y a opposition. Alors que l'opposition existe bel et bien. Mais l'opposition sait jouer son rôle là-bas. Mais ça a été imposé par le président. Parce que, quoi qu'on dise là, l'Afrique n'est pas faite pour rester dernière. L'Afrique n'est pas faite pour rester dernière. Et l'Afrique n'est pas faite pour être dans le service moutonnier de l'Europe. L'Afrique a besoin aussi du développement. Et ce développement-là passe par le respect de nos lois. Et ce développement-là passe. Quand on dit la vérité aux criminels, ce développement-là passe par une vraie justice. Et c'est ça qu'on voit dans certains pays. Mais la Côte d'Ivoire, on construit tous les palais de justice dans ce pays-là. Chaque jour, il y a une construction de justice qui arrive. Mais rien, dans la forme, c'est bon. Mais dans le fond, là, c'est une coquille vide. Et la Côte d'Ivoire est une belle main pourrie à l'intérieur sur le plan de la justice. Donc, vous êtes en train de nous dire que le gouvernement actuel aurait donc menti au peuple en ce qui concerne la justice. Est-ce que vous pouvez me répondre par un oui ou par un non? Écoutez, le gouvernement actuel a menti au peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'a pas dit que nous n'avons pas d'institution. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo est parti à la CPI. Mm-hmm. Maintenant que tout est prêt là, on ne va pas envoyer Simone à la CPI. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Mais tout est prêt là, dites-nous la vérité. Le gouvernement Ouattara a menti aux Ivoiriens sur le plan de la justice. Ok, allons doucement et répondez simplement aux questions. Et donc, cela veut dire donc que demain, s'il y a des violences et des morts d'hommes qui seraient causées par les Laurent Gbagbo, les Blaise Goudé et des incompréhensions politiques, cela veut donc dire que le gouvernement actuel sera responsable de tout ce qui adviendrait. Ok. Et donc, aujourd'hui, cela nous pose donc un problème. Le gouvernement est en train d'entacher sa crédibilité, en tout cas en matière de justice. Est-ce qu'on peut faire confiance même au gouvernement actuel? Non, s'il le plaît, la justice, non. Ok. Donc, c'était la question que je voulais poser. Et donc, quand on ne peut plus faire confiance à un gouvernement au nom de la justice, ça veut donc dire naturellement que ce gouvernement donc nous dit, prenez votre destin en main et faites ce que vous pouvez pour vous défendre vous-même. Et ça nous inscrit directement dans le champ de l'anarchie politique. Et donc, d'une société de désordre. Malheureusement, c'est ce qu'il faut dire aux Ivoiriens. Il ne faut pas qu'on mente aux Ivoiriens, il faut qu'on leur dise la vérité. Ce pouvoir-là n'est pas en train de vous aider,
il est en train de condamner l'avenir de vos enfants. Qu'on le veuille ou pas, là, ne nous trompons pas. Les ingrédients de la violence sont en train d'être remis en place pour qu'on revienne au 11 avril 2011 pour qu'on revive les mêmes faits. Et nous, on ne va pas mentir à quelqu'un pour dire, ah, on ne savait pas, tout le monde le sait. Sinon, comme disait Walter Ruto, Jean-Pierre Bemba, à la différence de Laurent Gbagbo, l'armée de Jean-Pierre Bemba était plus équipée et plus efficace que l'armée nationale de la République démocratique du Congo. Mais malgré cela, on l'a remis au pas. Tellement fort qu'il est même allé jusqu'en Centrafrique pour vendre ses services. Et donc, faisons beaucoup attention. Peut-être que le message qu'on dit n'est pas intéressant à entendre, mais nous, on préfère dire la vérité aux uns aux autres. Le gouvernement fait preuve d'irresponsabilité totale en matière de justice. Vous ne rendez pas hommage aux Ivoiriens. Vous ne rendez pas hommage aux victimes à travers la justice. Vous avez honte de vos propres militants aujourd'hui qui se sont sacrifiés pour que le président puisse être là aujourd'hui. C'est la chose la plus incompréhensible. On aurait pu comprendre qu'on dise que vous fassiez de la justice sélective. Mais vous ne faites ni l'un ni l'autre. Vous n'aidez point vos militants, mais vous laissez les criminels prospérer. Ça devient encore plus insultant. Et donc, le roi du printemps, on va passer la parole à Soumyata le Conquérant, s'il a quelque chose à dire. Alors, ce que je voudrais ajouter, je l'ai déjà dit ici, okay. Il revient au gouvernement et à la justice de prendre leurs responsabilités. Vous savez, parfois, il est avancé sur la plateforme qu'il faut faire des manifestations ou bien qu'il faut agir. Je dois rappeler ici, nous, en tant que plateforme de communication, nous ne pouvons pas nous substituer au gouvernement ou à la justice ou aux organisations politiques. Nous avons nos limites. Nous ne pouvons qu'interpeller. Et aujourd'hui, il faut constater, justice n'est pas rendue. Charles Blé Goudé, ici Pavane, il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, en tant qu'individu lambda, si vous vous levez pour essayer même, ne serait-ce que de toucher à un cheveu de Charles Blé Goudé, vous serez surpris de voir que les gens vont vous appréhender pour aller vous emprisonner. Okay. Et donc, j'allais vous poser une question. Est-ce que le gouvernement actuellement n'est pas à la recherche d'une nouvelle crise? Ah, mais c'est ce que nous constatons. Les ingrédients sont en train de se réunir pour un deuxième désordre sous nos yeux. Et rien n'est fait. Donc, il faut que le gouvernement et la justice jouent franc jeu. Si ce n'est pas fait, nous autres, que pouvons-nous faire? Nous pouvons attendre tout simplement le jour que le président Ouattara prend sa retraite. En ce moment, nous allons voir ce que nous pouvons faire concernant le cas Charles Blé Goudé. Et même Laurent Gbagbo, et même Laurent Gbagbo aussi. Parce qu'il ne faut pas les dissocier. Voilà. Actuellement, il y a pays dans la demeure. Nous savons, il est en train de tout organiser pour embraser les pays. Et l'homme, dans sa stratégie hier, je l'ai dit, il cherche tout simplement à utiliser les cadres RHDP pour assouvir ses sales besognes. Il fait ses réunions avec ses criminels. Il se prépare dans l'homme. Tout ça pour créer le désordre, le chaos. Si les gens ne prennent pas conscience, nous ne savons pas. Donc, en la matière, il faut que le gouvernement et la justice fassent leur travail. Parce que nous autres, nous sommes limités. Nous ne pouvons pas tout faire, nous ne pouvons qu'attirer l'attention des uns et des autres. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Je l'ai répété ici. Si vous vous levez aujourd'hui et vous dites que vous allez faire quelque chose comme vous le voulez, si vous ne faites même pas attention, vous allez vous retrouver en prison et personne ne parlera de vous. Vous allez souffrir en prison, avoir fait une bonne période et je ne sais même pas qui va venir vous sauver. Pendant ce temps, le criminel, il est en train de se pavaner, il est payé, il est nourri, il est blanchi, il a même des gardes-corps et il fait ce qu'il veut. C'est sur la scène politique ivoirienne, on peut voir ça. Il est en train de se préparer pour semer les troubles encore. Donc, il faut que le gouvernement prenne conscience de ce qui est en train de se passer avec la justice pour faire le travail. Sinon, après, franchement, nous autres, nous sommes limités. Nous ne savons pas quoi faire. Voilà. Et je l'ai dit, quand j'ai dit j'attends que le président Ouattara prenne sa
Parce que je l'ai répété ici à plusieurs reprises. Si vous vous levez aujourd'hui pour toucher à un cheveu de blé boudé, vous allez vous retrouver en prison. Voilà. Okay. Donc, nous autres, il y a des risques que nous ne pouvons pas prendre. Mais ce que nous disons, il revient au gouvernement de faire son travail. Si ce travail n'est pas fait, les Ivoiriens, ne soyez pas surpris demain si vous voyez que il y a des actions de violence encore de part et d'autre. C'est Charles Blé Boudé, celui-là même, qui a déjà tué beaucoup d'innocents, qui est en train de préparer le terrain. Charles Blé Boudé, Laurent Gbagbo, Guillaume Zéro, ils sont en train de préparer le terrain encore pour créer des troubles, des violences et faire souffrir les Ivoiriens. Parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Maintenant, nous interpellons le gouvernement ivoirien, nous prenons l'opinion publique nationale et internationale à témoin pour dire qu'il faut que le gouvernement et la justice ivoirienne fassent leur travail pour mettre hors état de nuire ces criminels. Donc, nous autres, nous avons fini d'avertir et nous ne faisons que regarder. Voilà ce que je peux dire. Ok. Je crois que la question a été abordée sous différents angles et les uns et les autres avaient, en tout cas pour les panélistes, était à même de vous expliquer et les Ivoiriens vous ont bien entendu. L'opinion internationale qui nous suit aura bien compris la spécificité du problème ivoirien et aujourd'hui on sait que c'est une volonté des pouvoirs publics de ne pas vouloir aller dans le sens de la justice. Et donc demain, s'il vous plaît, mettez sur muet. Et donc demain, il ne faudrait pas que le gouvernement du président Alassane Ouattara soit surpris lorsque les organisations à l'échelle internationale vont traiter ce gouvernement d'irresponsable, d'un gouvernement qui aurait été complètement incapable de donner un visage à la justice, malgré les assurances que le président Ouattara leur avait données. Et donc, en tout cas, aujourd'hui, les gens n'en parlent pas, mais demain, ce sera chose mise sur la place publique pour condamner durement le régime du président Ouattara. Il ne faut pas qu'il doute de cela. Et il y a notre aîné Mamadou qui dit ceci. Au vu de tout ce qu'on a dit, la responsabilité n'est donc pas individuelle, mais exécutive. Et donc, en conséquence et par conséquent, c'est le chef qui est en premier lieu, c'est-à-dire le président Alassane Dramane Ouattara, qui est donc le premier responsable en grand caractère de l'impunité. Et c'est une vérité, malheureusement, qu'il faut assumer. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons aller pour la dernière intervention des différents panélistes. On va permettre à chacun d'avoir 5 minutes pour pouvoir donner son mot de fin et en même temps sa conclusion. Et après cela, donc, nous allons nous séparer. Et donc, on dit bien qu'à tout Seigneur, tout honneur, la parole va revenir d'abord à la reine de Saba et ensuite, on va pouvoir la redistribuer. Ok, merci éclaireur, merci à tous les panélistes, merci au EPV. Merci surtout à Éclaireur de nous avoir permis de créer cette plateforme, de nous avoir permis de parler ouvertement de tout ce qu'on a vécu, de nos préoccupations et tout. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais à dire. Qu'il en soit autant pour vous et que la bénédiction de Dieu demeure en chacun de nous. Amen. Merci. Ok. Donc, nous allons passer à notre frère Yann. Et le grand maître, vous avez la parole. Oui, mon grand oncle. D'abord, merci beaucoup. J'aimerais quand même signaler que je n'avais pas donné mon point de vue sur le cas de la justice. Okay. Donc, je vais profiter pour en parler en même temps, si tu me permets. Oui, oui. Voilà. En fait, pour moi, je pense que le manque de justice en Côte d'Ivoire, nous le décrions, et nous l'avons toujours décrié, et nous continuerons à le décrier. Mais ça, je pense pour moi, d'abord, comme tu l'as bien dit, le premier responsable de ce manque de justice, c'est le président de la République. Et il va assumer les conséquences. Parce que j'ai l'impression que, quand j'écoute même le porte-parole du gouvernement, Amadou Ban Koulibaly, je pense qu'il y a un excès de confiance dans leur méthode. Et ça, c'est très dangereux. Ça risque, c'est-à-dire, à force d'être trop sûr de leur plan et de leur stratégie, ça risque de leur retomber dessus. Parce qu'on n'est jamais assez prudent dans la vie. Et c'est pourquoi, si vous me le permettez, il y a un écrit de la Charte du Mandé qui disait qu'il ne faut jamais surestimer un ennemi, comme il ne faut jamais aussi le sous-estimer.
Exactement, merci. Donc pour moi, ça c'est un couteau à double tranchant avec lequel ils sont en train de manipuler. Si ces gens-là, et puis ils ont les moyens de les recadrer, ils ont les moyens de les recadrer. Lorsque le père était à l'opposition, quand il a dit à l'autre vieux mal appris, là, mal élevé, là, quand il lui a dit, si tu t'amuses avec moi, tu verras de quelle voie je me chauffe. Il s'est calmé. Là, et donc là, il était à l'opposition. Mais comment ça se fait? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, lui étant le premier responsable de ce pays, il se permet pendant sa gouvernance de laisser ces individus mal appris là faire dire et faire n'importe quoi. Donc, quelque part, il y a, comme j'ai dit, il y a l'usage de la violence, peut-être qui est aussi une stratégie politique pour eux. Peut-être que le vieux veut partir pour dire, voilà, quand j'étais pas là, quand j'étais là, tout était calme, mais dès que je suis parti, le pays s'est gâté, pour qu'on le regrette quelque part. Comme ce fut le cas un peu avec Oufo-Boigny. Mais nous ne voulons pas ça. Parce que nous, c'est nous qui souffrons, c'est nos parents qui meurent quand il y a des situations comme ça. Aucun de leurs parents n'est touché par cela. Mais, donc pour moi, c'est vraiment. Par rapport à ce que vous dites aussi, ce sera aussi l'irresponsabilité aussi qui aura causé le chaos. Mais bien sûr. Et donc, plutôt que de dire, quand j'étais là, j'ai pu. Mais c'est parce que Oufoué a laissé des imperfections que ces imperfections ont conduit à des problèmes. Mais justement, j'allais en venir pour dire, c'est vraiment, c'est ce que j'allais même dire, c'est vraiment cette volonté-là qui est dans la tête de nos dirigeants et en particulier du premier, c'est vraiment de l'irresponsabilité parce que je pense quand même qu'on ne peut pas construire une belle œuvre comme ça et puis ne pas régler un problème fondamental qui est vraiment un pilier pour l'édification d'une nation. Là, la Côte d'Ivoire est un État. La Côte d'Ivoire n'est même pas un État-nation. Donc, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas recadrer ces personnes-là. On ne peut pas être un homme ordonné et puis laisser des gens en train de créer des conditions d'une violence dans un pays. On n'a même pas encore 20 ans de crise. Oui, à peine 20 ans de crise. Depuis 2002. Mais la guerre, là, ça ne fait pas encore 20 ans. Et comment on peut laisser des gens comme les Blégouté? Mais ça veut dire quoi? C'est une façon même de nier même l'humanité qu'il y a dans ces êtres humains qu'il a fait brûler et que lui-même il a brûlé. Et en plus, c'est ceux-mêmes qui ont souffert. Et je dis politiquement, c'est-à-dire les gens du président. Les militants du RDR, RHDP qui sont morts, qui sont aujourd'hui dans leur tombe en train de se retourner, en train de pleurer. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se dire, mais quelle inutilité d'avoir soutenu ce monsieur-là. Les gens sont en train de pleurer dans leur tombe. Notre grand-mère, notre grand-mère qui a été déterrée à cause de ces gens-là. Et aujourd'hui, c'est les mêmes à qui on donne la part d'elle et nous qui. C'est pour ça que moi, parfois, je dis, mais. Si c'est tel est leur désir, laissons-les faire. Okay. Parce qu'on a beau aimer, le parti, on a beau aimer notre pays, mais nos moyens sont limités, comme mon frère Sundiata vient de le dire. Si. Et ça ne peut pas continuer, on ne peut pas continuer comme ça, se moquer de nous à longueur du temps. Okay. Vraiment, il y en a marre. Quoi. Ok, si vous permettez, vous avez toujours la parole. J'allais vous poser une question, ainsi qu'aux autres panélistes. Vous vous souvenez que le moment du président Alassane Draman Ouattara a été injustement envoyé à la DST pendant plus de 6 heures du temps et on lui demandait de nier que Alassane Ouattara soit son fils. Vous vous souvenez de cela? Très bien. Et vous vous souvenez que la haine et la méchanceté va poursuivre cette même vieille jusque dans la tombe et elle sera déterrée et traînée sur plus d'un kilomètre sous une pluie diluvienne. Vous vous souvenez de ce facteur-là? Très bien. Ok. Est-ce que ces actes-là étaient des actes de justice ou d'injustice? Mais non, mais si je peux me répondre, je non, j'ai une question à vous poser. Je voulais que la réponse soit brève. Pour vous, est-ce que ces actes-là sont des actes de justice ou d'injustice? Ben, si aujourd'hui, je me base sur ce qui se passe, pour moi, c'est un acte de justice par rapport à ceux qui ont commis ça. Puisque aujourd'hui, des tels actes sont en train de se préparer et qu'il n'y a pas ce c'est ça c'est ça c'est même c'est même pas même
C'est même pas un acte de justice ou d'injustice. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nommer. Ça fait partie de l'ordre de l'innommable. Okay. Tellement que c'est un acte ignoble. Okay. Mais comment. Ok, la question est toujours là. La réponse devrait être brève parce que la question est là pour vous permettre de pouvoir vous exprimer. Et donc, la question était de savoir si la mère d'Alassane Ouattara, de son vivant, on a voulu lui dire qu'elle a fait de l'adultère pour accoucher Alassane Ouattara, ce qui est complètement faux. Parce que dire à une femme digne que ton enfant n'est pas ton enfant, c'est une manière de lui dire qu'elle a commis l'adultère pour avoir cet enfant. Ça, c'est un premier crime. Mais qu'elle a menti au père ou sinon aux parents qui a élevé l'enfant, ce qui est un double crime. Et on ne va pas s'arrêter là. On va traîner son corps déterré sur plus d'un kilomètre, ce qui est une abomination. J'aimerais savoir, qu'est-ce qu'aujourd'hui, en l'état actuel de la situation, est-ce que la mère du président serait fière de lui dans sa posture qu'il adopte vis-à-vis de la justice? C'était la question que je voulais poser. Mais moi, je pense que vraiment, elle fait partie aussi des martyrs qui pleurent et qui pleurent et qui sont dessus de ce manque de justice en Côte d'Ivoire. Vraiment, vraiment. Si notre père veut rendre hommage à sa maman, qui elle-même a été l'une des premières victimes de cette injustice-là, il ne peut pas fermer les yeux sur ça. S'il est vraiment digne d'être l'enfant de notre grand-mère Nabintou Cissé. Si vraiment c'est lui qu'on appelle à la Sina Naboudou, si vraiment c'est lui qu'on appelle comme ça, faut qu'il s'élève et qu'il prenne le bâton de justice là et il mette la justice. Parce que tant qu'il ne mettra pas la justice, il sera indigne de sa maman. Moi, je le dis et je l'assume. Ok. J'en ai fini. Merci beaucoup. Merci d'avoir donné de la voix. Et nous allons passer à Soundiata le Conquérant qui va nous donner son mot de la fin. Et sur les bases des questions que j'ai eu à poser, j'aimerais aussi avoir son avis là-dessus. Et vous en avez pour 5 minutes, monsieur le Conquérant. Alors, moi, ce que je voudrais dire, je voudrais aller tout simplement droit au but. Avec tout ce qui s'est passé, il faut que les uns et les autres prennent conscience. Je l'ai dit, si la justice ne fait pas son travail, la justice populaire fera son travail. Mais quand? Moi, personnellement, je ne sais pas. Hein. Donc, ce que je veux dire ici, je voudrais interpeller vivement le gouvernement, la justice ivoirienne, l'Assemblée nationale, le Sénat ivoirien, pour légiférer contre ces criminels. Les criminels comme Yvan Gbagbo, Simon Gbagbo, Charles Blé Boudé, Guillaume Zéro n'ont plus leur place sur notre scène politique. Il faut que les gens légifèrent pour libérer le peuple ivoirien, c'est très important. Ce n'est pas qu'une question d'exclusion, c'est une question de bon sens. On peut rentrer dans beaucoup d'explications, mais moi je pense qu'actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire face à la situation? Moi c'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il faut faire en l'état actuel des choses? Ce qu'il faut faire, il faut que le gouvernement, la justice ivoirienne, l'Assemblée nationale, le Sénat ivoirien légifère pour barrer la route à ces délinquants. Et il faut que dans les meilleurs délais, il soit définitivement interdit à Guillaume Zéro, Charles Blé Goudé de faire la politique. Ce sont les meilleures solutions. Si ce n'est pas fait, croyez-moi, dans les années à venir, la situation va encore s'embraser. Et en ce moment-là, la justice populaire va se faire. La justice populaire se fera. Parce qu'on ne peut pas assister éternellement aux injustices et aux crimes à répétition. Ça ne peut pas se faire. Je l'ai dit ici, nous autres, nous ne pouvons pas nous substituer. Parce que tu vas t'élever aujourd'hui, tu vas vouloir faire quelque chose, tu vas te retrouver en prison, tu n'auras plus de soutien. Nous autres, notre force, elle est limitée. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Mais nous pouvons quand même alerter. Et nous avons alerté pour dire le pouvoir aura choisi entre légiférer et éteindre politiquement ces criminels-là ou la violence.
En ce moment-là, les gens, il ne faut pas qu'ils vont venir dire qu'on n'avait pas prévenu. Nous avons prévenu. Si rien n'est fait, la justice populaire, etc. Mais quand, moi, personnellement, je ne sais pas. Voilà ce que je voudrais dire. OK. Merci bien, tout le monde. Merci infiniment de votre contribution. Merci de nous avoir donné du temps. Merci d'avoir été efficace. Et donc, nous allons passer à la toute dernière personne, qui est le roi du printemps, qui, ma foi, nous a quittés. Je pense bien, mais je vais essayer de l'ajouter à nouveau. Si ce n'est pas chose possible, on va donc fermer directement le direct de ce jour. Et donc, le roi du printemps est avec nous. Donc, le roi, vous avez 5 minutes pour faire votre conclusion. En partant sur la base de ce que j'ai dit déjà, est-ce que la mère du président même serait fière de lui aujourd'hui dans sa tenue vis-à-vis de la justice? Oui? J'espère que vous êtes avec nous. Allô? Oui, le roi du printemps, nous sommes là. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Et moi, pour ma conclusion, moi, je dirais comme ça que c'est déplorable. Et en même temps, moi, je dis à Sundiata, relativement à ce qu'il a dit, que le Sénat, l'Assemblée nationale, ou à quoi, en tout cas, tout ce qu'on voit, de prendre une loi pour exclure Blé Boudé, Soro Guillaume, Laurent Gbagbo de la scène politique. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes perceptions, ou bien les mêmes conceptions, les mêmes manières de voir les choses. Mais moi, je vais dire à Sundiata, il n'a qu'à laisser ça. Ceux-là, ils ne vont jamais le faire. Ils ne vont jamais le faire. Puisque eux-mêmes là, ils aiment ça. Comme on a dit, la Côte d'Ivoire fonctionne sur les compromissions politiques. Donc un pays qui a bâti sa ou encore ses lois sur les compromissions politiques, les deals politiques, pour exclure une partie du peuple, pour faire souffrir une partie du peuple, Sundiata, il ne faut pas te fatiguer. Ceux-là, ils ne vont jamais le faire. Et ils sont contents quand la population souffre comme ça. Donc, il n'y a même pas matière à débat, quoi. Il ne faut pas parler de ça. Ils ne vont pas le faire. Parce que eux-là, ils n'ont pas l'intention de le faire et ils n'ont même pas la volonté de le faire. Tout ce qu'ils savent faire, là, c'est de maintenir cette population dans la pauvreté, c'est de maintenir cette population dans une situation précaire afin de pouvoir manipuler cette population-là pendant les jours électoraux. Et c'est ce qu'on voit. Donc ça là, moi je ne parle même pas de ça. Voilà pourquoi quand vous parlez, moi je ne parle pas de ça. Parce que ça n'a, pour eux là, ça n'a pas son sens. Ils aiment ça. Donc ça là, on n'a qu'à laisser, comme tu l'as dit là, le jour où le président Hassan Ouattara ne sera pas là. C'est là où on va voir ce que nous on peut faire. Donc sinon, pour le moment là, ce n'est pas la peine. Donc moi je dis, par rapport à la question de l'éclairage, justice n'a pas été rendue à la mère du président. Le président n'a pas rendu la justice à sa mère. Si c'est sur ce plan-là, sa mère, qu'elle va penser à ça, parce qu'elle va se mettre dans la peau des personnes qui ont été victimes au même prix d'égalité qu'elle. Des gens qui ont eu les pieds coupés, les bras coupés, qui ont trouvé la mort. Des personnes qui sont là, levées dans leur domicile pour venir les tuer. Quand sa mère va penser à ça, elle saura que son fils n'a pas rendu justice. Éclairé, son fils sera même pas. La mère. Notre mère ne sera même pas contente de là où elle se trouve. Que Dieu lui donne le paradis. Donc, pour finir, je dis, l'État de Côte d'Ivoire est en train de créer une bombe à retardement. Et cette bombe-là, on ne va pas échapper à cette bombe. Tôt ou tard, là, elle va s'exploser. Mais c'est quand elle va s'exploser, là, que les gens vont se rappeler de ce que nous avons dit ici depuis longtemps sur la plateforme. Aujourd'hui, nous, on est traités de va-t-en-guerre. Mais nous, on assume notre position. Comme je l'ai dit, un vrai homme là doit assumer toujours ses prises de position. Et nous, on assume nos prises de position ici. Quelque chose, c'est que ça va nous coûter. Nous, on ne va pas arrêter de dire la vérité parce que nous avons vécu beaucoup de choses dans ce pays-là et que ce pays-là ne mérite pas d'être le laboratoire de promotion des criminels. Le laboratoire, comment on appelle, de promotion de l'impunité à Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit être l'exemple. La Côte d'Ivoire doit être le fer de lance qui va tirer les autres pays vers la justice. Et non, la Côte d'Ivoire qui va entraîner les pays qui ont décidé de faire la justice dans leur incompétence. Et moi, je le dis,
Aujourd'hui, notre justice, quand je regarde le débat que j'ai eu avec le magistrat, a la volonté de faire justice. Mais la justice est tenue par le politique. Et une justice qui est tenue par le politique dans un pays, cette justice-là ne peut pas être efficace. Même si vous voulez, allez-y construire des tours, comment on appelle, des 45 étages, et mettez tous les magistrats à l'aide, mettez toutes les institutions de la République là-bas. La justice ne sera jamais, comment on appelle, compétente, parce qu'elle est tenue par les hommes politiques, et c'est les hommes politiques qui manipulent la justice. Et clair, c'est ce qu'il faut dire aux gens. Sans s'attendre, laissez le pauvre monsieur. Nous, on a tapé sur le pauvre monsieur ici. Mais ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute. Et clair, regardez, quelqu'un qui vient te trouver dans ta maison, il te frappe, il te blesse. Et puis la même personne te dit, allons à la justice. La même personne qui est venue te trouver chez toi, là, te frappe. Et la même personne te dit, allons à la justice. Et clair, sur quoi il compte depuis te dire, allons à la justice. Je m'arrête là, à chacun de réfléchir à cette question et de trouver sa réponse. Bonne soirée à chacun. Merci beaucoup le roi. Merci infiniment d'être intervenu. Merci pour votre brillante contribution. Et j'ai dit merci à tous ceux. Vous pouvez mettre sur les murs, ça va beaucoup nous aider. Les panélistes qui ne sont pas sur le muet, je parle là, de notre mère Sally, vous pouvez sur le muet, ça va nous aider. Et donc, j'allais partiellement faire ma conclusion en disant, comme disait Walter Rotto, il disait que j'aimerais rappeler aux autorités de la Côte d'Ivoire, bien sûr, que Jésus-Christ de Nazareth était de Nazareth et non de la Côte d'Ivoire. Alors, vous ne serez jamais aussi bon ou plus bon que Jésus-Christ. Je crois que c'est très bien à rappeler. Mais surtout, j'aimerais aussi rappeler au président de la République et à tous ceux qui sont dans les sérails de la justice que l'effet boomerang de nos actions nous revient toujours à la figure. Léclerc, s'il te plaît, je sais que j'aimerais que le dernier mot te revienne. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose avant que tu ne termines? Non, là, je vous donne la parole, je ne pourrai plus terminer parce que j'ai été déconcentré. Non, donc continuez. Non, vous pouvez continuer. C'est pourquoi je vous avais demandé de mettre sur le... Parce qu'en général, si je demande aux gens de se taire, ce qu'on fait, c'est improviser. Et c'est à but didactique. Et donc, on n'a pas les idées en une place. On essaie de les mettre ensemble, mais une fois qu'on nous déconcentre, ça devient difficile de se restructurer. Donc, vous avez la parole pour 5 minutes. Non, je voulais seulement ajouter que quand on a dit tout à l'heure que la maman de notre papa Bona a été déterré et tout ça, il a pardonné. Moi, souvent, quand je le regarde, je me demande si c'est pas l'empereur, c'est pour Ouattara en lui-même qui est là devant nous, au fait. Parce que moi, quand étant petite, je n'ai jamais posé beaucoup de questions. Parce qu'à l'école, on nous disait que Samori Touré venait attaquer Kon et qu'il a commis des actions à Kon et tout ça. Et quand je trouvais qu'il y avait des Touré qui étaient à Kon, je demandais chaque fois aux grands-parents pourquoi, avec tout ça, il y a des Touré qui existent toujours là-bas. Et qu'est-ce que les grands-parents m'ont répondu? Ils m'ont dit non, que après les exactions, quand ils ont poursuivi Samori après et qu'ils sont revenus, il y a des Touré qui avaient refusé de continuer la bataille. Et quand l'empereur est revenu, il a demandé à toute la population de les accepter comme des parents. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'ai dit. Donc je me dis souvent, quand je regarde l'attitude de notre papa aujourd'hui, je me dis, est-ce que ce n'est pas l'empereur lui-même là qui est là? Parce qu'il était aussi pardonneur. Vous comprenez? Mais la justice, c'est-à-dire justice de Côte d'Ivoire, on n'est plus à ce niveau. C'est-à-dire les gens ont été blessés, les gens ont été blessés dans leur amour propre. Si la justice doit être faite, il faut que la justice soit faite pour que chacun comprenne que, pour que les cœurs soient vraiment apaisés. Sinon, cette réconciliation. Tant que tant qu'il n'y aura pas une bonne justice, je ne crois pas que les cœurs seront réconciliés. Donc, c'est ce que j'avais ajouté. Vraiment, j'avais voulu que tu termines. Non, je crois que déjà, vous avez déjà dit l'essentiel. Et pour ma part, je vais simplement dire merci aux uns aux autres. Et merci à tous nos panélistes. Je parle de vous-même, notre mère Kone Sally. Je parle de Yann. Je parle de notre mère Binet Silibé, potamois du Nil, sans oublier le roi du printemps, avec aussi ceux qui ont animé en arrière-plan. Je vous dis infiniment merci. Et nous nous retrouverons le lundi
pour d'autres émissions si nous sommes encore vivants. Et sur ce, j'allais dire merci à chacun et à chacune et souhaiter que la grâce de Dieu nous couvre.